Eh bien, cela tout est à tous, c'est Starvo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour vous dire quelle sera la configuration minimale pour pouvoir faire tourner Farming Simulator 17. Donc, le site de mode Farming 2015 donc, a mis en ligne ce petit truc pour savoir si quelle sera la configuration minimale pour faire tourner le jeu. Donc, regardez-moi tout ça. Donc là, c'est écrit ici, mais ici, c'est traduit, donc c'est beaucoup plus facile. Et on va comparer ça avec Farming Simulator 2015. Voilà. Donc là, sur Farming Simulator 2015, il fallait donc Windows 100, s'en fout, ça va jusqu'à Windows 10. Donc là, pareil, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10. Donc là, aucun truc qui change. Par contre, au niveau du processeur, donc Farming Simulator 2015 demandait un processeur de 2 GHz et Farming Simulator 2017, donc 2017, ouais, demandera un processeur de 2,4 GHz. Voilà. Donc le jeu, je pense, sera quand même un petit peu plus puissant, enfin demandera un peu plus de ressources, ce qui est logique, voilà. Et ensuite, donc on passe au giga de RAM. Donc ici, là, il faudra 2 gigas de RAM pour faire tourner le jeu. Et ici, toujours 2 gigas de RAM. Donc ce qui ne change pas. Donc voilà. Mais bon, c'est rare qu'il y ait des personnes qui ont toujours 2 gigas de RAM. Mais bon, c'est possible, ça arrive. Ensuite, je n'ai pas oublié ce point. Donc on passe à la carte graphique. Donc il faudra une Nvidia GeForce 8600 de la série 8600. Donc là, ça change pas. Une Nvidia GeForce de la série 8600. Et pareil pour la carte graphique AMD, donc ATI, ouais, c'est pareil. AMD Radeon, donc il faudra une HD 2600 ou supérieure, donc avec un minimum de 512 RAM. Donc ça, c'était pour Farming Simulator 2015. Et donc ça sera pareil aussi donc pour Farming Simulator 17, voilà. Donc au niveau de la carte graphique, si vous avez la même, normalement le jeu vous va quand même le faire tourner à peu près pareil, voilà. Mis à part si vous avez un processeur un peu moins puissant. Donc alors, ensuite, donc il prendra 3 gigas de disque, donc pareil que Farming 2015, ça ne change pas. Ensuite, une carte son, donc ça c'est logique, hein, sinon vous n'aurez pas de son sur Farming Simulator 2015. Et sur Farming Simulator 2017, avec carte son aussi pareil, donc pour DirectX. Donc DirectX, bien sûr, vous l'avez forcément, je pense. Hein. Ben, vous avez DirectX si vous pouvez faire tourner Farming Simulator de 15, sinon c'est... Comment vous pouvez faire tourner Farming si vous n'avez pas DirectX? Bizarre. Donc ouais, normalement vous n'avez pas de problème à ce niveau là, si vous avez du son sur votre ordinateur, c'est que vous avez la carte son, et DirectX vous l'avez aussi forcément, voilà. Donc là c'est pour bien sûr un lecteur CD pour pouvoir l'installer avec le CD, mais bon, seulement pour la version commerciale, donc la version avec une jaquette, quoi, voilà. Donc si vous voulez acheter en ligne, pas la peine de DVD, enfin de lecteur CD. Ensuite pour Mac, je crois pas que c'est annoncé sur ce site, non. Sur le site de mode, ce n'est pas annoncé pour les Mac, hein. Donc bien sûr, tout ce que je dis, ce n'est pas gardé, c'est écrit non confirmé par le producteur, hein. Donc c'est vraiment ce que les gens pensent, ça vient de plusieurs sources et c'est pas forcément sûr à 100%, hein, voilà. Donc c'est juste quelques informations et ce n'est pas sûr, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, voilà. Donc je suis pas sûr, j'espère que ça vous aura aidé. Donc franchement, si vous avez le même, enfin je pense que vous faites tourner Farming Simulator assez correctement ou correctement sur Farming Simulator 2015, Farming Simulator 2017, vous n'aurez pas franchement beaucoup plus de mal. Mis à part si vous avez vraiment un processeur pourri. Mais franchement, pour voir si vous avez un processeur inférieur à 2 GHz, vous allez donc là, hop, ordinateur. Hop, on va sur cet écran. Et là, vous faites propriété système. Donc là, vous voyez ici Intel. Et là, vous voyez ici les 3 c'est moi, j'ai 340 GHz. Et il faut un minimum de 2,5 je crois, ou 2,4 GHz. Voilà. Donc vous voyez ici, si c'est inférieur à 2,4 GHz, vous allez avoir du mal à faire tourner votre jeu. Voilà. Et bien sûr, il faut une carte graphique qui soit assez puissante. Voilà. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like à la vidéo. C'était Starvo et je vous dis à la prochaine. Voilà. Ciao tout le monde.